m'appelle Gulrim Choi, je suis la violoncelliste de l'ensemble d'Hydro, au sein duquel je joue habituellement la partie de basse continue. Avec l'ensemble, ça fait quelques années qu'on explore les répertoires méconnus de l'école de Berlin. Et cette fois-ci, on s'est penché sur le genre du concerto de chambre pour violoncelle. Et on a fait connaissance avec 4 compositeurs qui se sont révélés être vraiment très passionnants. Parmi eux, les violoncellistes Ignaz Mara et Markus Heinrich Grauel. Ils étaient tous deux employés à la cour de Berlin, à l'orchestre de Frédéric II. Et de temps à autre, il semblerait qu'ils ont chacun endossé la tenue de soliste lors des académies, ces concerts donnés dans les salons berlinois. L'idée donc pour moi était aussi, comme Mara et Grauel, de changer de casquette pour cette occasion. C'est sans doute à Mara, d'ailleurs, que Carl-Philipp Emanuel Bach a destiné ses célèbres concertos dans les années 1750. Et peut-être son prestige a longtemps contribué à occulter d'autres compositeurs de la même sphère berlinoise. Après avoir lu la musique de Mara, très séduisante, on a complété le programme avec des concertos donc de Grauel, Hertel et Abel. On a été tout de suite frappé par la fraîcheur de ces œuvres, leur charme, leur sensibilité, et on est vraiment très content d'avoir le privilège de les présenter aujourd'hui au public.